Parfois, tu ne sais absolument pas où tu vas mettre les pieds, parce que tu as vu une preview, et puis parce que 2-3 visuels t'ont plu, parce que le résumé t'a également plu, et que rien n'a répondu à tes questions, et donc tu es obligé de lancer le jeu. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui dans la preview de Ponpou. Qu'est-ce que c'est que Ponpou? Ça a l'air d'être un jeu très arcade, très agité, et du coup, ça a l'air d'être un jeu pour The Big Game of Ski. Ponpou. Où je mets les pieds, bande de tinnitus, et que je mets les pieds, j'en ai aucune idée. Apparemment, ça ressemble à un Bomberman, mais pas que, parce qu'il va y avoir différentes parties. Oui, le jeu se présente comme un party game pour tout ce qui est multi. Oui, ça c'est moi. Et je buge, oui. Comment je pose des bombes? Comme dans Bomberman, enfin! Oh putain. J'ai oublié de m'éloigner. Ça va être le bordel avec ces bombes glissantes. Oui, bah j'ai mon shield. Et là je peux la renvoyer. J'ai passé au voisin. Allez, on va exploser des piafs, c'est parti. Bombs on! Oui. Alors va falloir un petit temps d'adaptation. Il n'y a pas de diagonale. Ça, je le dis direct. Que les choses soient très claires. Coucou. Oh. Oui, les entraînements de Bomberman, c'est quelque chose qui va beaucoup servir apparemment dans ce jeu. Alors pour l'instant, c'est pas très speed parce qu'on en est qu'au début et c'est la phase tuto. Mais je pense qu'une fois mélangé avec des collègues d'apéro, sur l'écran, il risque d'y avoir un bordel relativement sérieux. Dis-moi pas que je suis revenu au même niveau. Bombs on! Et si, quelle andouille. Bon, on va faire ça très vite. Ça fait super bizarre hein, de pas avoir de diagonale. Mais bon, c'est pour le gameplay.
Dessus. J'ai gardé le seul qui bouchait le passage. Bon, et cette fois, je fais gaffe. Et je vais vraiment au troisième niveau. Shazam. Bombs on! Oh, il y a plusieurs niveaux sur le même level. Oui. Que j'ai flingué tout le monde. Une clé, je prends. Ah, mais on peut pas quoi. D'accord, les trous comptent. On va aller faire un petit tour là-haut. Pour l'instant, je suis assez perturbé parce que le concept du Bomberman, tout le monde le connaît. Qu'il soit repris de cette manière, je sais pas, je me demande, je me pose des questions. Petit. Il a pas bougé, attends. Ah, ça va péter. D'accord, les bombes pètent au bout d'un moment, inexorablement. Ça, c'est un beau joli coup double, où je ne m'y connais plus. Apparemment, on n'a pas un nombre limité de bombes, et ça, c'est bien. Bon, on a tout exploré, hein. Je suis perplexe, je suis comme vous, je suis perplexe, parce que je me dis, le concept du Bomberman... Mélangé au jeu plus ou moins d'aventure avec des tableaux imbriqués, toujours de la baston, ça va être surprenant quand même sur la durée, et je me demande ce qui nous réserve. J'ai pas lu. Alors c'est vrai que ces cubes en bas, on a du mal à voir qui sont... bloquant, on les distingue pas vraiment du blanc des dalles normales. Kaboom. Merde, je me suis coincé tout seul. Oui, ça fait mal. Allez, on va tracer cette fois. Regarde. C'est le mouvement qu'il faut intégrer, ça. Pour l'instant, c'est pas encore le bordel sur l'écran.
Kazuki. Il y avait une Uki quelque part. Oui, je sais. Voilà. Mais je la veux, cette clé, bordel. Alors, je peux changer et j'en ai un autre. Je sais pas où il sert. J'ai deux œufs différents. Ah, quand même. Et cette clé va m'emmener vers une porte verrouillée que je n'ai pas croisée encore. Qui pourrait être. Bombs on! Et là j'ai les clés, d'accord, ok. My bad. My bad. Oh purée. Ok, il a l'air pas content. Oui va. Celui-là. On va se garder loin de lui. Loin des yeux, loin du cœur, loin de tout le reste. Je suis mort. Je me suis pété. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de revenir sur ce jeu pour qu'on se le fasse en multi, parce que je pense que ça peut être vraiment très très rigolo. La partie solo elle est bien pour servir de tuto. Maintenant, je pense que c'est pas vraiment l'utilisation première de ce jeu.
On bouffe. Alors, vous l'aimerez sans doute pour le bordel sur l'écran, mais là on l'a pas encore vraiment vu. Vous l'aimerez encore davantage, j'imagine, pour de la partie en multi. Il y a du deathmatch, il y a du paint battle, du vol de sous, un mode histoire, en été. Donc je pense que ça peut être vraiment intéressant. Playlist, playlist, bouton d'abonnement. Et on se retrouve pour une prochaine preview, un jeu complet ou du shmup, les gars. Allez, ciao, à bientôt.